Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision numérique Proximité Web TV. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'émission Coopération qui va débattre avec l'invité du jour, Jérémy Gustave Zamba, sur la thématique qui sera bien axée sur la diplomatie en période de la transition, pour ne pas dire le CTRI, la diplomatie main dans la main. Pour un petit rappel, vous et comme moi, vous venez de suivre l'actualité diplomatique avec les hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui, qui vient de séjourner pour la seconde fois en l'espace de 2 mois à Malabo, aux côtés de son homologue équato-guinéen, le président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo. Nous avions suivi en même temps le ballet diplomatique que reçoit le Premier ministre de la Transition, Raymond Nsima, ainsi que le patron de la diplomatie gabonaise. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale de la Transition vient de prendre part au Conseil interparlementaire de la CAC à Luanda, en Angola. Le Gabon, il faut le rappeler, a été maintenu dans cet organisme sous-régional. Voici autant de sujets que nous allons aborder tout au long de cette émission. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Justin Engonga. Alors, je rappelle que vous êtes notre consultant à maison. Alors, le chef de l'État de la transition gabonais, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui, vient de séjourner aux côtés de son homologue équato-guinéen, le président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, à l'espace de 1 mois où il a d'abord séjourné pour la première fois dans ses tournées diplomatiques. Votre point de vue sur cette offensive diplomatique du président gabonais? Notre point de vue est celui selon lequel le Gabon ne pouvait pas rester en marge de la communauté sous-régionale et de la communauté africaine, j'allais aussi dire de la communauté internationale. Et donc, il appartenait au président de la transition, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema, d'aller informer tous les chefs d'État de la sous-région, puisque la CEAC et la CEMAC sont des organisations sous-régionales qui avaient décidé de suspendre le Gabon parce qu'estimant qu'aucun État de l'Afrique ne devait normalement ou ne doit normalement pas faire que quelqu'un accède au pouvoir sans obéir à la voix des urnes. Le président de la transition avait donc cette lourde et cette sensible mission d'aller vers ses pairs de la sous-région d'abord, leur expliquer de quoi il en retournait, afin de les convaincre de militer en faveur du retour du Gabon au sein donc de la communauté ou des communautés sous-régionales. Alors, Jérémy Gustave Zamba, malgré les sanctions auxquelles ces organismes infligent au Gabon, ainsi que les récentes sanctions des États-Unis et d'Amérique, mais nous remarquons que certains organismes tiennent toujours à accompagner les autorités de la transition, d'où la récente audience la récente audience qu'a accordée le Premier ministre de la Transition, Raymond Nsima, au système des Nations Unies, et qui, je le dis, qu'ils ont réaffirmé d'accompagner le pouvoir transitoire du Gabon. Bon, il y a deux choses qu'il faut souligner ici. Il y a l'attitude des États-Unis, qui est très certainement commandée par des pays tiers. On n'a pas besoin de les citer, suivez mon regard. Mais il y a également l'attitude vis-à-vis du Gabon des organismes internationaux. On va parler par exemple de la Banque mondiale, on va parler du FMI. Ce sont des organismes internationaux auxquels, avec lesquels, j'allais dire, le Gabon entretient des relations exemplaires. Je ne crois pas qu'il faille
à ces organismes-là, mais ne pas comprendre la réalité du Gabon aujourd'hui, surtout lorsqu'elle concerne la restauration des institutions. Rappelons-nous l'ancien chef de l'exécutif américain, Barack Hussein Obama, disant au chef d'État africain que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et alors, lorsqu'on parle, je crois savoir, de la restauration des institutions, ça veut dire, sans vouloir expliquer qu'il y a péril en la demeure, ça veut dire que, en réalité, ce problème est préoccupant. Mais il n'y a pas que la restauration des institutions. Mais il y a également le développement du pays, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un État comme le Gabon, avec un produit intérieur brut per capita, c'est-à-dire par tête d'habitant, dépassant les 8 800 $ américains, se retrouve avec un taux de pauvreté aussi développé que celui que nous connaissons, avec un taux de chômage qui a dépassé la barre des 30%, qui a dépassé les 37%, j'allais dire. Effectivement, ce problème de chômage, il faut voir le flux de ces potentiels demandeurs d'emploi un peu dans les différents ministères aujourd'hui. Et il y a au-delà de cela l'amélioration des conditions de vie des populations. Bon, donc, en réalité, quand on regarde, mais c'est un engrenage de faiblesse, c'est une succession, un enchevêtrement de faiblesse qui font expliquer, mais l'acte des forces de défense et de sécurité gabonais. Alors, nous avons évolué toujours dans cette offensive diplomatique gabonaise. Jean-François Ndungu, le président de l'Assemblée nationale de la transition, vient de séjourner à Luanda, capitale angolaise, où il vient de prendre part au Conseil interparlementaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la CAC. Au terme de ce conseil, selon le premier parlementaire gabonais, le Gabon a été maintenu et non sanctionné comme beaucoup le pensaient. Et quel est votre avis sur le maintien du Gabon en période de transition au sein du Conseil interparlementaire de la CAC? Mais mon avis ne mérite même pas de commentaire. Ça veut simplement dire que les tournées ou la tournée entreprise par le président gabonais de la transition dans tous les États de la sous-région d'Afrique centrale a été une tournée payante, a été une tournée, mais non pas inopérante, mais une tournée qui a porté des fruits. C'est simplement le commentaire qu'on peut faire. Donc, ça saute aux yeux. On n'a même pas besoin d'épiloguer là-dessus pour comprendre simplement que le Gabon est en train de réintégrer le concert des nations sous-régionales, mais ce qui, normalement, devrait faire applaudir plus d'un. Alors, d'aucuns disent même que, pour revenir à la récente visite du président Brice Clotaire-Oligui-Nguema en Guinée équatoriale, que le siège de la CAC pourrait revenir à Libreville en même temps que la présidence, puisque la visite entre ces deux chefs d'État était à huis clos. Oui, il faut quand même dire, hein, et puis pour le signaler, que si le siège a été transféré à Malabo, c'était simplement parce qu'il y avait une sorte de peur des lendemains, parce que tout le monde sait que lorsqu'on parle de la prise du pouvoir par les militaires, bon, il y a comme une sorte d'instabilité dans les esprits d'abord et une sorte d'instabilité dans la manière de gérer le pays pendant qu'ils sont là. Or, les militaires gabonais, pour ne pas dire les forces de défense et de sécurité gabonaises, ont démontré à la face du monde qu'elles étaient républicaines, qu'elles obéissaient à une logique républicaine. Parce que d'abord, leur coup, je ne parle pas de coup d'État,
leur coût. Le président parle de coût de libération du Gabon. Et voilà, c'est pourquoi je me limite au coût. Donc, leur coût, leur acte a été guidé par des motivations qui n'ont rien à voir avec une application du haut de toit que je m'y mette. Ou qui n'a rien à voir avec une application des principes revanchards. Mais simplement que c'est une armée qui a pris en compte, en fait, les désidératas des populations pour restituer aux dites populations mais leur fierté, leur honneur et même, j'allais dire, leurs intérêts. Parce que nous étions face à une population qui était sevrée de tout et qui était même, j'allais dire, spoliée. Est-ce que c'est dans même ce contexte que la capitale congolaise, Brazzaville, abrite un sommet sur la protection de l'environnement des bassins du Congo Ogoué, des bassins d'Amazonie, enfin, la seconde, le plus grand, le second sommet après le One Summit Forest à Libreville, et où le Gabon prend activement part aux côtés de ses experts à Brazzaville. J'ai beaucoup aimé les anciennes autorités en ce qu'elles étaient celles qui voulaient en réalité centraliser le pouvoir. On ne voulait pas libéraliser le pouvoir du temps de la Bongo Ondimba. On le centralisait. Alors, qu'est-ce à dire? Le Gabon, ce n'est pas Ali, ce n'est pas Sylvia, ce n'est pas Nouridine. Le Gabon, c'est le pays en tant qu'État, ça veut dire le territoire, ça veut dire les populations, ça veut dire les institutions dont la première, dont la clé de voûte, si je puis m'exprimer ainsi, était l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République. Mais cela n'arroge pas ou n'arrogeait pas à Ali Bongo Ondimba le pouvoir de dire « l'État, c'est moi ». Donc, quand on parle des questions d'environnement, ce n'est pas Ali Bongo qui a créé l'environnement. Il était simplement un gestionnaire comme tout autre de l'environnement Gabon. Mais ce n'est pas lui qui a créé l'environnement. Or, parce que le ministre gabonais des eaux et forêts prend part aux côtés des autres experts gabonais à ce sommet. Mais tout à fait. Il prend part à ce sommet en tant qu'autorité gabonaise représentant la République dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire celui des eaux et forêts et de l'environnement, bien sûr. Et donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'on parle d'environnement concernant le Gabon, c'est de lui qu'on parle. Non. Lui, il n'est qu'un représentant de l'État pour ce qui est des questions de l'environnement. Or, on a donné l'impression que, bon, le chef de l'État gabonais était Monsieur Environnement. Non. Il n'y avait pas une équation entre chef de l'État gabonais, président de la République gabonaise et environnement. Alors, non. Au terme de cette émission, Jérémy Gustave Zamba, on peut espérer que le Gabon va réintégrer le Conseil des Nations de la sous-région et abandonner les sanctions auxquelles elle traverse aujourd'hui avec l'offensive diplomatique du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est en tout cas la conduite du Gabon qui déterminera la suite des événements. Parce que le Gabon était, pour ainsi dire, dans le collimateur des organisations sous-régionales, des organisations internationales, mais au fur et à mesure que la feuille de route qui a été présentée aux facilitateurs, aux médiateurs, déjà au niveau de la sous-région, le président Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, au fur et à mesure que cette feuille de route le facilitateur sera déroulée, ben, la communauté sous-régionale et la communauté internationale prendront fait et cause pour le Gabon. Et à partir de ce moment,
le Gabon, forcément, mais réintégrera le concert des nations. Parce que je ne vois pas ce que les forces de défense et de sécurité, j'allais dire, le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a fait de mal pour que on ne lui reconnaisse pas un minimum de légitimité. Quand on sait que l'ancien pouvoir était un pouvoir prédateur, était un pouvoir spoliateur, était un pouvoir, mais qui allait à l'encontre des droits de l'homme et qui avait complètement mis dans les poubelles de l'histoire tout ce que le Gabon avait de valeur. Merci Jérémy Gustave Zamba pour votre haute clairvoyance sur la thématique de l'émission Coopération du jour. Il s'agissait de la thématique, le CTRI, la diplomatie, mais dans la main, c'est-à-dire l'offensive diplomatique qu'entreprennent actuellement le président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligema, avec les différents présidents des institutions de la République transitoire du moment. Merci de nous avoir suivis à un autre numéro de l'émission Coopération.